Elle a eu la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler cette entreprise. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois. Mm-hmm. Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars elles changent, ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois? On mange pas. Pardon? On mange pas. Eh bien on va se faire vos porte-paroles. Bonjour. On aurait voulu monter à l'étage de LVMH, s'il vous plaît. Alors, approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire, Romain Desbois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. Bon, bah, allez leur défoncer, leur rager. On va arrêter, là. Allez faire les danseuses. Merde. Mais de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Ben, je n'ai plus rien à perdre. Bon. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez Bernard, et puis raquettez bien les PDG alors. PDG.